Please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now in session. L'audience est ouverte. Today the chamber continues to hear testimony. Aujourd'hui la chambre and continue d'entendre la déposition de témoins Guek et alias Duch. Monsieur M. Guek a voulu faire état de la présence des parties et autres personnes à l'audience d'aujourd'hui. Le greffier, Mr. President, Monsieur le Président, proceedings, pour l'audience d'aujourd'hui, toutes les parties au procès sont présentes. Mr. Nunji is present. Monsieur Nunji est présent dans la cellule de détention temporaire au sous-sol. Right. Il a renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. Le document de renonciation a été remis au greffier. Le témoin qui poursuit sa déposition aujourd'hui, Monsieur KAING, alias Duch, est présent dans le prétoire. Je vous remercie. President, thank you, Mr. M. Hoy. Le Président, merci, M. M. Hoy. La Chambre va à présent statuer sur la demande de Nunchia. La Chambre est saisie d'un document de renonciation de Nunchia en date du 15 juin 2016, où il invoque des maux de dos, des maux de tête et des difficultés de concentration. Ainsi, pour assurer sa participation effective aux futures audiences, l'intéressé renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire pour l'audience du 15 juin 2016. La Chambre a également saisi d'un rapport du médecin traitant des CETC en date du 15 juin 2016. Celui-ci indique que Nunjia souffre de maux de dos aigus et ne peut demeurer longtemps assis. From the holding cell downstairs. Et recommande donc à la Chambre de permettre à l'intéressé de suivre les débats depuis la cellule temporaire du sous-sol par ses motifs et en application de la règle 81.5 du règlement intérieur. La Chambre fait droit à la requête de Nunchia qui pourra suivre les débats à distance depuis la cellule temporaire du sous-sol par moyen audiovisuel. La Chambre enjoint la régie de raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que Nunchia puisse suivre aujourd'hui toute la journée. À présent, je vais céder la parole au juge Lavergne pour continuer l'interrogatoire du témoin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, thank you, Monsieur le témoin. Mr. President. Bonjour à tous. Good morning, witness. Good morning, everyone. Hier, nous nous sommes arrêtés alors que je vous posais des questions concernant KAING. I was putting questions to you regarding je voudrais obtenir une clarification de votre part. I would like you parce to clarify que vous something avez aussi parlé précédemment because previously d'un you also cadre spoke qui était le beau-fils de Yang Sari. Et vous aviez dit que vous étiez and en relation avec ce cadre qui était un de vos amis et que vous aviez noté cadre que celui-ci avait été mis friend en cause dans des aveux. And you said that that person et was, vous aviez eu l'occasion de rencontrer cette personne, and de lui demander s'il avait peur, et vous avez dit que ultérieurement vous aviez retiré son nom des aveux. Alors, c'est ce que vous avez dit lors de l'audience du 27 mars 2012, c'est le document E1-54.1, après 11h53. Alors, est-ce que vous voyez à quoi je fais référence? Il s'agit d'une personne qui, dont l'orthographe n'est pas très claire pour moi, s'appelle peut-être Hum ou Hum. It is either Fun or Fun. Monsieur le témoin, est-ce que vous voyez à qui je fais référence? Witness, est-ce que vous avez des détails à nous fournir concernant cette personne? Person I'm referring to, and do you have any details to provide regarding that person? Réponse. Thank you, Your Honor. Merci. In relation to the son-in-law of Yang Sari, he was my friend since 1971. A été mon ami depuis 1971. It was likely
that he was also related to my wife. Heureusement, il avait également des liens de parenté avec mon épouse. And his native name was Hong. Son nom d'origine est Hong. After he joined the revolution, he Après avoir changed rejoint it to les Bun, rangs de la révolution, Bun. Il a changé son nom pour devenir le camarade Pun. Bien sûr, je connais cette personne. As your question focused on the name of Ian Sari's son-in-law. Car votre question portait sur le nom du beau-fils de Ian Sari. Et est-ce que vous vous souvenez si son nom avait été mentionné dans des aveux et si par la suite vous avez retiré le nom des aveux? Is it true that you subsequently withdrew his name from the confessions? Camera Pern was implicated, but I did not ask Pong about that. It was a separate matter. Le camarade Pern a été mis en cause, mais je n'ai pas posé des questions à Pong à ce sujet, car c'était un fait distinct. J'en ai tout simplement rendu compte when au frère Noon. Important person Lorsqu'une personnalité importante était mise en cause, je devais demander l'avis de l'échelon supérieur. Then I instructed interrogators Lorsque to je suis rentré à mon travail, j'ai demandé aux interrogateurs d'ignorer toute réponse impliquant le camarade de Pun. Je n'ai donc pas posé de questions à Pong à ce sujet, mais j'ai demandé l'avis de Noon sur ce sujet. Uncle Noon was in charge. À l'époque, c'est l'oncle Noon qui était le responsable. Et donc, si vous avez retiré le nom de Pum, and c'est parce que Noon vous en avez donné l'instruction. Pum's name, it was because Noon had given you instructions to do so. Is that correct? Akun, koranai dak chumah mat puen ni. In relation to the removal Réponse. Of Pum's name. En ce qui concerne le retrait du nom de Pum, I instructed the interrogator to instruct. Prisoners not to mention Pun's name, de dire aux prisonniers de ne pas mentionner le nom de Pun. Je leur ai également demandé de retirer le nom de Pun des aveux. Et ceci suivant les instructions reçues de l'oncle Noon. Bien. Quel était le rôle de Pun? Il semble qu'il ait joué un rôle relativement important et que vous ayez été en contact avec lui alors que vous étiez à S21. Quel était le lien entre Pun, S21 et éventuellement le bureau 870 ou d'autres personnes? Office 870 and any other persons. I Réponse. Contacted Pun in the capacity as we were friends. J'ai contacté Pun en qualité d'ami. That had nothing to do with their work. Cela n'avait Pun rien à voir avec le travail. About my work at S21. Pun. Nor did I mention ne parlait about jamais his, de mon travail à S21 et je ne parlais jamais de son expérience médicale Pun à lui. Pun spoke about his affair with Meng. When Meng went to China, Pun a parlé de sa relation avec Meng for Pun. Lorsque celui-ci est parti en Chine. So we spoke to one another in relation only through personal matters and not work related. Notre relation concernait uniquement les affaires personnelles et non pas le travail. Et quelle était la fonction occupée par Pun? What were the duties carried out by Pun? Before 1975, Pun was chairman of office of the special zone hospital. Était le responsable de l'hôpital de la zone spéciale.
One was for the treatment of a soldiers and one for the treatment of civilians. And Boone was in charge of the one for the treatment of civilians. Et Boone était chargé de l'unité du traitement des civils. Après le 17 avril 1915, j'ai su qu'il était responsable d'un bureau technique. Je n'en étais pas sûr, car je ne m'occupais pas de ses affaires, même s'il était mon ami. Hier, quand je vous ai posé des questions concernant Pang, vous avez évoqué l'arrestation de cadres, dits cadres Hanoï, et vous avez parlé d'un dénommé Phum, je ne suis pas sûr de prononcer correctement, qui avait mis en cause un dénommé Num. Alors, premièrement, est-ce que... est-ce que l'orthographe des noms est correcte? De qui parlez-vous? Qui étaient ces personnes? Who exactly were you referring to? Who are those persons? Thank you, John, for asking that question so merci that de I poser can cette clarify question. It. Je vais donc éclaircir ce point. Pum était cadre de Hanoï. Donc, on l'a arrêté et envoyé à S21, alors que Nat était le chef et moi son adjoint. À l'époque, les lieux de détention et d'interrogatoire se tenaient à l'ancienne PJ, à l'ancien siège de la PJ. Nat started Pum to write Nat on the blackboard about the traitors, that the CIA networks who were in the same network included Mules, but alias Nyang. De la CIA, that's en what lui Pum wrote down on the blackboard. Le même réseau, and Nat took Pum inside Sambat, and Pum saw what Nyang, was written Nyang. On the blackboard. À ce moment-là, Pum a vu ce qui était écrit sur le tableau. And this is in response to your question that as to when I saw a Pong, and that was the first time that I saw Pong. C'était la première fois que j'ai vu Pong. And later on, when I worked with Sun Sen, I was with Sun Sen together with Nat. J'ai rencontré Sun Sen. Sun Sen en compagnie de Nat. Pum. Sun Sen a dit que Pum avait mis en cause Nyum, à savoir Mul Sambat, alias Nyum. I was rather afraid upon hearing that. J'ai pris peur lorsque j'ai entendu cela. En principe, lorsqu'un cadre était impliqué à l'extérieur des rangs, il s'agissait d'une affaire confidentielle, mais le nom a été écrit sur le tableau et une personne de l'extérieur a vu ce nom. Mais il a dit que Pong était une bonne personne et qu'on ne devait pas être inquiet. Je précise donc que c'était la première fois que j'avais vu Pang. Voilà. Et en ce qui concerne Nyum, very well. Il est aussi connu sous le nom de Ross Nyum. He was also referred to under the name of Ross Nyum. Is that correct? Akun lokagram chmoh pet pakat bah bong Nyum ni. The real name of Nyum. Réponse. Was le vrai nom de Nyum, c'est and when Oud. He joined the Israel movement to fight lorsqu'il against a rejoint le mouvement Israël pour lutter he contre les Français, his name to Mul Sambat, il a changé son nom en Mul Sambat Nyum. Et plus tard en Run Nyum. So all these three names refer to the same individual. Ces trois noms renvoient donc à la même personne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre définition du cadre Hanoï? Qu'est-ce what que c'est qu'un cadre definition Hanoï? Of a cadre from Hanoi? Who is a cadre from Hanoi? Akun piak tha kamaphibal Hanoi ni. A cadre from Hanoi. And this is based on my observation. Je vais répondre sur la base de mon observation. When I worked for the police department lorsque of je travaillais pour le département de la police du PCK, cadres from Hanoi committed so many offenses, les cadres de Hanoi ont commis against the principle de of the CPK. Infractions so contre there were not les many responsables of them, du PCK. Remained after 17 April 1975. Et après le 17 avril 1975, il n'en restait plus first beaucoup. Person
that entered as 21, that is those amongst those cadres from Hanoi, was Pum. So there were not many left, and Pum was the first of those cadres from Hanoi who entered as 21. Est-ce qu'on appelait cadre de Hanoi toute personne ayant fait partie du Parti communiste indochinois ou toute personne ayant séjourné à Hanoi? Any person who had stayed in Hanoi, a cadre from Hanoi. Allow me to clarify it, Your Honor. Je vais préciser. After 20 July 1954, après le 20 juillet 1954, Ho Chi Minh took with him in Hanoi, and then 1,700 cadres were sent for a training to the north part of Hanoi. Été envoyé pour formation dans la partie nord de Hanoi. Forfeit their Khmer nationality. On leur a demandé and to de renoncer à leur nationalité Khmer pour devenir vietnamiens, de laisser le Parti communiste du Cambodge pour rejoindre le Parti communiste des travailleurs vietnamiens. Ils ont été intégrés à l'unité militaire pour étudier tous les aspects de la technique militaire. En 1976, ils sont revenus. Et Pol Pot to abandon their Yun nationality and to become la nationalité Yun and to leave the Khmer. Labor Party et de laisser of the Vietnamese Communist Party des travailleurs communistes du Vietnam so et faire partie du PCK. These 1,700 cadres returned. Donc, ces 1700 cadres sont donc retournés, sont revenus. Voilà ce qui s'est passé. The people usually refer to them as cadres from Hanoi. La population les désigne souvent comme étant des cadres de Hanoi. Je ne connais pas quelle était leur l'étiquette officielle que leur donnait le PCK. Et donc, ces cadres ont été purgés avant le 17 août 1975 et après le 17 août 1975 ou après le 17 of April 1975. Quand est-ce qu'a commencé la purge des cadres when Hanoi? When did the purge of cadres from Hanoi start? អរគុណការបោសសម្អាតបុគ្គលដែលធ្វើខុស The purge of individuals amongst the cadres from Hanoi who committed La purge des cadres de Hanoi. I did not know. Qui avait commis des fautes. The only thing that I know was that some cadres from Hanoi were sent to M13. C'est que des cadres de Hanoi avaient été envoyés à M13. And that initially happened in 1973. Cela s'est and passé firstly, it was Prasson, alias Prasson, from plus tard, a battalion Sop, who was stationed in Koh Kong. Venait d'un bataillon this stationné à Koh Kong. Prasson was the secretary of that battalion. De ce bataillon. He was rather the deputy, and his superior was son supérieur était Yecha alias Ya. Later on, those cadres from plus tard, Hanoi ces cadres de Hanoi were sent from military refashion center and sent to M13. Ont été envoyés the three of des them centres were militaires à M13. And later on, trois d'entre eux ont été interrogés et par la suite écrasés. Bien, j'aimerais vous présenter, monsieur le témoin, un document. I'd like to show you a document. Sur un autre sujet, on quitte le cadre de la question des cadres Hanoi. J'aimerais qu'on vous présente le document E3/1581. Il s'agit des deux premières pages. We'll be looking at the first two pages. Document qui contient les aveux which contains confessions of
Eng-Pitch. Donc, document E3/1581, ERN en Khmer, 00172999 à 17 3000. En français, 00224083. Et en anglais, 00 82 29 94 à 95. Voilà. Ma première question est de vous poser et de savoir est-ce que d'abord est-ce qu'on pourrait présenter à l'écran la page de couverture de ces documents. Et ma première question est est-ce que vous reconnaissez les écritures qui figure sur ces documents. D'abord, l'écriture qui figure sur la première page, et ensuite celle sur la deuxième page. The handwriting on the first page. Réponse à l'écriture à la première page. With the 99. With the last two digits, 99, was les deux derniers chiffres étant 99 et celle de Sansen. And it was on the 19 January 1977 and the handwriting on the second page. L'écriture with la deuxième page. The last two digits 00 is my hand. Les deux derniers chiffres étant 00 et la writing. Mienne. And it was dated 16 January 77. En date du 16 janvier 1977. Very well. Est-ce que je comprends correctement ce document do si I je dis que ce document contient des aveux que vous avez envoyés à Sansen avec des commentaires Sansen qui figurent donc sur la deuxième page et sur the la première page, ce sont les commentaires de Sansen. On the first page et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire à qui yes, étaient destinés les commentaires de Sansen? To whom est-ce que c'est des commentaires qui vous sont destinés à vous ou à quelqu'un d'autre? Addressed to you or to someone else? All the documents that I sent to Brother Sansen, tous les documents que j'ai adressés au frère Sansen, and to Brother Noon, et au frère they Noon, never returned them to me. Ne m'ont jamais été renvoyés. As for this document or annotation, it was meant for les annotations sur ce document. His 870 committee, in particular, it was meant for Brother Paul. 870, en particulier au frère Paul. Alors, il semble que sur cette première page, il soit fait référence à un dénommé Prasic. Reference has been et to a person que, called y ait une recommandation and pour que Prasit ne travaille plus au ministère des Affaires étrangères. No longer work at the Ministry of Foreign Affairs. Donc, est-ce que vous savez à quoi that cela fait référence? Case, do you know what they are referring to? Pourquoi here? Une telle recommandation? Why is such a recommendation being made? This person, Prasad, was a brother Prasad, who was related to brother Jun Jun. Prasad avait un lien de parenté avec le frère Jun Jun. Il y avait Jun Mon, Jun Sut. However, Dr. Jun Jun was closely related mais to the Jun revolutionary Jun. Movement. Était étroitement lié au mouvement révolutionnaire. To the Politburo, la demande du frère Q party au bureau politique du centre du parti tendant that was his à request, retirer le frère Prasit. C'est la demande qui avait été faite et however, je n'avais pas vu la décision du centre du parti. Mais d'après ce que j'ai pu observer, le frère Prasit est resté au ministère des Affaires étrangères. And later on, he was sent to be stationed at the United suite, Nations headquarters. Il a été transféré au siège
des Nations Unies. Donc, si je résume, vous so envoyez if I sum up what you've said, des aveux annotés à Sonsen. Annotated Sonsen fait lui-même des annotations Sonsen, qui sont destinées aux membres du bureau 870 addressed to members of Office et les recommandations qui figurent sur les recommandations faites par Sonsen ne sont pas nécessairement suivies des faits. Ce que Sonsen dit, il faut retirer Tracite. Et vous nous dites qu'en l'occurrence, Tracite n'a pas été retiré. C'est bien ce qu'on doit comprendre. And consequently, Tracite was not withdrawn. Ultimately, he was not withdrawn. Akun Lukakram. Khyum Sannithan. Tha. It is my conclusion that the request of Brother Sonsen to Brother Paul to remove Brother Paul à l'effet de retirer le frère Pracite was not decided or approved by Office 870. Par le bureau 870. For that reason, Pracite remained raison, in his position. Pracite a maintenu ses fonctions. By 17 April 1975. En janvier 79, il a été envoyé au siège des Nations Unies. Est-ce que vous savez si les aveux que vous envoyez à Sonsen étaient par la suite envoyés dans les zones ou dans les divisions sent to zones and divisions? Qui prenait la décision d'envoyer les aveux dans les zones ou dans les divisions? Est-ce que c'est Sonsen ou est-ce que c'est le bureau 870? Vous répondez en fonction de ce que vous savez. You should answer si this vous ne savez pas, vous dites in light que of vous what savez. You know, and if you don't know, say so. During the regime. Pendant le régime. I knew it. In particular, the documents that were sent to zones. J'étais au courant de cette information. I asked Korn, alias Kahn, who actually came to testify before this chamber about the documents sent by the party and what were the actions taken by those zones. And Korn said, Korn a dit, the upper echelon was rather humble l'échelon supérieur in making requests to the zones and answer the zones to zones. Consider the matters and to act accordingly. Il demandait aux zones and the zones actually respected the request by the upper echelon. Les zones whatever les demandes de l'échelon supérieur. Sent by the upper echelon, the zones would act upon and sense those enemies, arrested and sense those enemies. Chaque fois que l'échelon supérieur demandait that was the time Brother Noon told me that the zones knew how to do their work. But I did not see any document in relation to this, although I knew about that. Je n'ai pas vu de document, and as for Korn, I believe his full name is Nikon, who was a younger brother of Sonsen. And yesterday, if I'm not mistaken, you said that from time to time, Nunchia would instruct you to withdraw certain names from the confessions avant que ceci ne soit transmis dans les before zones, pour ne pas this being transmitted to the zones in order not to reveal that some cadres had been implicated. Et pour permettre and in order leur arrestation to allow their arrest est-ce que later j'ai on. Bien compris? So did I understand you correctly? Did I understand the way that this worked correctly? Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Thank you for asking that question. Merci de poser cette question. J'aimerais savoir si, I would like to know en dehors de la transmission if, des aveux, aside from the transmission il y a of, of confessions, des contacts entre if there was any kind of contact between the S21 center and other security centers, est-ce que vous avez reçu did d'autres you centres de sécurité receive des informations information concernant from other security centers, information regarding ou est-ce que vous enemies, savez or si do you know aveux
if some confessions obtained at S21 were forwarded to other security centers. Et ce qui m'intéresse en particulier, and what I would like to focus on in particular are the Okangseng Security Center, the Krangtachang Security Center, and the Phnom Kral Security Center. Thank you, Your Honor. Merci. Let me clarify that laissez-moi préciser. S21 received inclusive instructions from the center. The general staff did not contact S21 in relation to Santé Mal. Contactez pas S21 Nous avons un certain nombre de documents we au have, dossier a certain number of documents on the case file that mention confessions forwarded to other security centers de personnel or de S21 staff sont allés travailler that went to work in other sécurité. Security centers. Nous avons notamment un in témoin particular, qui s'appelle we have a witness by the name of Cham Se, qui a été entendu who was heard devant cette chambre. Before this chamber et qui a été également entendu devant and le juge d'instruction et il a interviewed by the co-investigating judges and he said that a person by the name of Nom est venu et qui came, vient de Phnom Penh, who came from Phnom Penh est resté deux mois à Okang Seng stayed for 2 months at Okang Seng pour recueillir des informations sur des personnes to gather information on qui people avaient été impliquées dans des who had been obtenus implicated à Phnom Penh. In confessions that were obtained in Phnom Penh and Cham Se specified nommé Nau, that avait now notamment interrogé quatre personnes interrogated four people qui avaient occupé des postes importants who held au sein important de la brigade 801. Positions within, brigade 801. This is document E3/407. Question-réponse numéro 6. Question-answer number 6. ERN en Khmer, Khmer ERN 00-40-13-18 Alors, est-ce que le nom d'un so dénommé No the name No ring dénommé a bell? No qui serait a no, allé travailler a certain No who apparently went to work in Okang Seng. There was no individual named No il n'y avait pas de among the no interrogators, parmi les important interrogators at S21. Important interrogators at S21 were les interrogateurs Pon, importants étaient Pon, Dui and other individuals. Et d'autres. So No, an individual by the name No at il n'y avait donc pas de dénommé No à S21. I have heard once about this issue. J'en ai une fois entendu parler. During the investigation stage, asking me about Kampong Cham zone, and la zone de I was asked whether interrogators went to si the les other security centers allés dans d'autres centres de to train pour about y interrogation. Donner des formations so no, no such event happened. Mais je peux dire que cela ne s'est pas passé. Là, il est question de quelqu'un here we're qui est speaking venu about avec someone des who came with confessions from S21 interroger in order des personnes to interrogate people who were detained at Okang Seng. So you're telling us that you do not know, no. Mais est-ce que but, certains de vos cadres se sont absentés pendant un certain temps de S21? Did some of your cadres leave S21 temporarily? Did they go to some places that you do not know? Did some cadres leave or did all cadres stay at S21 on a permanent basis? Merci.
all cadres were engaged in work at S21. Tous les cadres participaient au travail à S21. When my superior or Sunsen went to work at the East, Ho was taken with him, and some members of the special unit were brought along with him when he went to work at the East. He used them as he was the commander. C'était le commandant, and they were working as the defense unit for him. Il lui servait. I would like to bring another example for clarity. Pour que tout soit clair. Concerning Saint-Ebal in sector 32, the chief was Norm. Le chef en était prisoners Norm. Broke the prison and les prisonniers avaient détruit la prison et s'étaient enfuis. And at the time, I received the information about prisoners in Sector 32 of j'ai the West, reçu des informations sur les prisonniers du secteur 32 de l'Ouest prison qui avaient détruit cette prison et qui avaient pris la fuite. J'ai demandé à mon supérieur la permission de me rendre sur place dans ce centre de sécurité to see. And usually, pour voir Sun ce qui s'était passé. When there was a request to him, he en général, took off the glasses. Quand and, une demande était adressée à Sun-sen, il enlevait ses lunettes, il se frottait les yeux request. Et se mettait à réfléchir. And at the time, what happened to S21 and who made such a report to S21? So à l'époque, after il fallait savoir qui avait communiqué l'information à S21, disait-il, j'ai pris peur. Et j'ai gardé le silence. President, I would like to seek a clarification from you. Je demande une précision. In document C13/407, in that document, the person's name is no, not no. Perhaps there may have been confused il y a donc with the une name. Confusion des no, not de no. C'est no et non pas no. Mr. Witness, Monsieur le témoin, perhaps there is a mispronunciation of the name in the document that I have just mentioned. The person's name is no, c'est not no. De no et non pas de now qu'il s'agit. Who was permitted by S21 to do the investigation about the confessions S21 a laissé mener implicating des investigations concernant des aveux ayant mis en cause d'autres personnes de Phnom Penh. Mr. Witness, thank you, Mr. President. I have informed the chamber already that there were many interrogators at S21. They were around 30 interrogators. There were around 30 interrogators at S21. And I cannot recall that there is an individual name. Je n'ai pas souvenir no. D'un dénommé no. However, I would like to indicate that we do not have enough interrogators to do the job. Nous n'avions pas assez d'interrogateurs pour faire le travail. And regarding laissez-passer, I need it to request laissez-passer from Brother Kyo. I got a laissez-passer from Brother Kyo j'ai obtenu de lui un from 1973. At that time, he was the à l'époque, chief of the special il était zone of the north. De la zone I recognized his handwriting since that time. Et depuis lors, je so, connais son in summary, en résumé, I did not have authorization to issue laissez-passer for my staff members. Pour mon personnel. So I was not entitled to write or issue je a laissez-passer for no to go and do the investigation. Un laissez-passer à no pour qu'il puisse se rendre sur place et enquêter. Saint-Ebal in the sectors would report c'est to le the du secteur qui faisait zones, rapport aux zones and
Santé Bas within the et les bureaux du Santé Bas would report de to the secretary of the faisaient zones. Rapport au secrétaire de la zone en question. So, in principle, the subordinates would en respect principe, the hierarchical order. The district would respect the secretary or the committee level of the district, and I myself respected et moi-même, je my me superior. So I had no power on other Santeba offices. Je n'avais aucun pouvoir sur les autres in conclusion, du I cannot recall an individual by the name No. Number two, deuxième I had point. No rights to je issue a laissez passer for my staff member to do the job qui aurait permis outside S21. Mes effectifs yeah, d'aller travailler yeah. hors de S21. President, le président. I think there is development in the proceedings and based on the document that I have received, compte tenu no, du document que j'ai there, reçu, was, there is an individual by il the name un No, dénommé and Tom Sai no. said Charles that Say he did not remember where No from, and at the time he said No may have come from no the headquarters of police from siège Phnom Penh. De la police à Phnom Penh. No may have peut-être come from the no general staff headquarters du siège de l'état-major. So that is why there is a question whether or not staff members from S21 were assigned d'où to work at various si offices, for example, KAING ont été désignés pour aller travailler à différents bureaux, y Mr. President, no staff members from le S21 were assigned aucun to go and work in été désigné pour aller travailler Sandebal dans offices. D'autres bureaux du Santébal. Son Sen, Brother Son Sen, received Son Sen instructions a reçu from des instructions secretary of the zone. Du secrétaire so de zone. The Sandebal offices within the zone receive zone the instruction from the instructions zone. De la zone en question. So usually this was en the général, chain of command. Voilà comment la hiérarchie était organisée. Je vais passer à un autre thème. I'm not going to turn to another topic. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le témoin, witness, can you tell us, à qui vous faisiez rapport whom you would pendant report que Nunchia to a effectué un voyage en while Chine Nunchia traveled et, to China Corée, and apparently to Korea en septembre 1978. In September 1978. Nous savons que we know that Nunchia traveled there because we have photographs that were taken in Beijing, document E3/3261, and he also made a speech before the Central Committee, or rather before the People's Assembly in Beijing. This is document E3/199, and this speech dates back to 3 September 1978. So during that time, whom would you report to while Nunchia was in China and in Korea? Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur le Juge. When Brother Nguyen went quand to le frère Nguyen China, I s'est still rendu en Chine. Recall it. And I also remember who, je m'en souviens, whom, to whom et I je me reported. Souviens aussi de la personne à qui j'ai fait rapport Peng à ce moment-là. Received, the orders to Peng a go reçu to S21. L'ordre and d'aller à S21. The documents from me were sent to Uncle Nguyen. Mes documents through étaient envoyés au frère Nguyen via sometime Thun. Comrade Chu went to pick up or collect the documents from me, and Peng and Lin came to S21 as well during the time on some occasions. When Brother Nguyen went to China, Lin came to collect the documents and chit-chatted with me that Duong, he made a joke that Duong went to other country était allé already. Dans un autre pays. So again, donc, Lin répète, and Peng, Lin on some occasions, Peng came to S21 to collect the documents. Des documents.
Mais est-ce que Lin et Pang avaient la capacité de prendre des décisions et de vous donner des instructions? Ou bien est-ce qu'ils se référaient à quelqu'un au-dessus d'eux? Comment ça se passait? How things were organized in that regard? Comrade Lin and comrade les camarades Pang, Lin et Pang, they came to S21 as a spokesperson in the capacity of spokespersons of brother Paul. And usually, comrade Lin. Would go to le camarade Lin opinions of Brother Paul on allait some recueillir issues. L'avis du frère Paul I would like sur to make a report questions. On one incident or one event during the time qui s'est produit à l'époque. 870 decided to 870 have Brother Pierre arrested décidé and de faire arrêter le frère Brother Pierre. Pierre may have been the ce dernier secretary of était peut-être Kratjes le committee. Secrétaire du comité de Kratje. Sau alias Sin, chief of Co 17, came to make the arrest. And et c'est lui qui est venu time, procéder à l'arrestation. I was there with Lin and Lin. It was not Brother Pierre. Et il ne s'agissait pas du frère at the location Pierre that we went qui se trouvait to à où nous nous arrest sommes rendus Brother Pierre pour procéder à une arrestation. Lin told me that that person was Lin not Pierre, so he Pierre decided to go on a motorbike to seek the opinion from Brother Paul. Du frère Paul. At the time, we were informed that the individual nous avons appris was not que l'intéressé Kia, said the witness. N'était pas Kia. So, in summary, en résumé, Comrade Pang or le camarade Lin, Pang ou when le camarade they Lin went to S21, they were in the capacity of a spokesperson of Brother Paul. Porte-parole du frère Paul. Bien, j'ai compris que vous fine. Avez I understood, eu des conversations therefore, téléphoniques that you spoke avec on the telephone Sun Sen, with Sun Sen, que vous avez rencontré and that you met Noon, Noon à l'école Suramarit. At the Suramarit Est-ce school? Que vous aviez également des conversations téléphoniques did you also have avec phone conversations Noon? With Uncle Noon? Et est-ce que vous avez eu des conversations téléphoniques and did you have avec phone conversations l'oncle Paul? With Uncle Paul? First of Merci. All, I would like to tell the court about J'aimerais telephone tout d'abord conversations. Parler des conversations téléphoniques. I was always on the phone conversations with Sun Sen. J'étais en contact téléphonique one permanent hour, avec over Sun one hour Sen per day. Durant and plus when d'une heure he par jour, was transferred to quand the il a été battlefield, transféré sur le front, I never had any phone conversations j'ai with my later superior since Brother Noon did not use des contacts téléphoniques avec son successeur, did not prefer puisque le frère Noon phones communication or conversation pas le and usually Paul Brother Paul général, did not le prefer Paul phone conversation n'aimait pas parler par as téléphone well. Non plus and there was the one case that Paul used a un jour, telephone conversation as the last resort when he asked recours. About the arrival c'est of quand il Brother a Mon. Posé une question sur l'arrivée du camarade Moll. So, in summary, I usually had a. I was always on phone conversation en with bref, Sun Sen. J'entretenais des contacts téléphoniques réguliers 15 avec August. Sun Sen. 1977, I on some occasion had telephone conversations, but not often. Mais pas fréquemment. And
for Nguyen Chia, he did not prefer a phone conversation. And as I said, I had one phone conversation with Brother Paul in relation to the incident that I discussed. Le frère Paul au sujet de l'incident précité. En dehors des aveux que vous étiez amené à transmettre à vos supérieurs, avez-vous transmis d'autres documents, comme par exemple des listes d'effectifs, staff lists, prisonniers des prisoner lists at S21, ou encore des photos or did you forward photographs of prisoners at S21, voire des photos de prisonniers exécutés or à S21, even photographs of prisoners who had been executed. Différents types de documents. So there are different kinds of documents that I'd like to focus on. First of all, liste d'effectifs, savoir combien de détenus il y avait à S21. Lists of prisoners in order to know how many prisoners there were at S21 and other documents such as photographs. So can you shed some light on that, please? Thank you, Your Honor. Merci. Besides confessions of prisoners, hormis les aveux de prisonniers, I forwarded other documents. J'ai transmis également d'autres documents selon la filière hiérarchique. C'est exact. Concerning first, the documents produced il y a by S21. Établis à S21. And the first document was produced in the case of Li Pai, alias Li Pai, alias Pen, the member of general staff membre of the East. De l'état-major de l'Est. I smashed Li Pai, alias Pen, écrasé cette personne, and Li three days later, Pen, there was instruction from Sun Sen that Sun Sen a donné une instruction. Il a dit, Brother Paul wanted le frère Paul you to exhume Li Pai's body to have de Li photograph Peng taken. Pour le and prendre at the time, en photo. I was thinking that there was bad smells from the body, but since there was instruction from Frère Paul, I had to exhume il m'a fallu the body, and I used Crazil et liquid to j'ai utilisé un stop liquide, the Crazil, smell pour atténuer l'odeur nauséabonde and qui s'en dégageait. After I got the instruction, I asked my staff members to exhume Li Pai's body. J'ai demandé à mon personnel d'exhumer le cadavre de cette personne. The person who was responsible c'est for qui the defense guard unit chargé de used a knife gardiens, to put on the neck of Pai's body, and then the photograph was taken. And concerning the foreign question, prisoners, la photo a été prise. I also sent documents in relation aussi, to the four foreigners les concernant. To my superiors as well. Étrangers. Là aussi, j'ai envoyé les documents les concernant mes supérieurs. I was warned not to keep the films or photographs. On m'a averti de ne pas conserver les négatifs. Developed the photos mais j'ai développé des to photos keep at pour les conserver à S21. Nat, Brother Vaughan. Nat, le frère Vaughan. And Brother Watt were photographed as well by me under the instructions of the upper echelon. Sur instruction de l'échelon supérieur. And for those we had already killed them dans le cas after gens we déjà received exécutés, the instruction from the upper echelon, we had to haut, have the bodies that fallu exhumed and led on, we took a photographs of them. Les and there was one occasion that I found maps une fois, of Vietnam. J'ai retrouvé des cartes du Vietnam. And then I forwarded those found maps to the center office. Au bureau du centre.
the document in relation to Alain Delors, the s'agissant major CIA agent, agent, and the document de la CIA, was about il y avait the information portant methods sur les méthodes was found by me, and I sent that document to my superior. Je suis tombé sur ce document et I, al- au I have also found a document in relation document to KGB agents KGB of Soviet or USSR. I sent the document as well et là aussi, j'ai to ce document my superior. À mon supérieur. Peng later on found par la suite, a map Peng a découvert in relation to or deposit or mine. Une carte and I also forwarded that a document or map et là aussi, of mine j'ai communiqué or ce document to my superior. À mon supérieur. Interpreter correction, the previous question was not based on staff, but on prisoners. Il s'agit d'un gisement de minerai. Je vous ai posé une question I pour savoir si vous transmettiez des documents in order to concernant know if les you effectifs forwarded documents regarding est-ce que vos supérieurs étaient intéressés de savoir le nombre de personnes détenues à S21? Est-ce qu'ils étaient intéressés de savoir were they interested in les knowing personnes qui arrivaient à S21 who arrived et at S21 qui étaient exécutées? And who was executed? Est-ce que vous avez communiqué ce type d'information? Did you forward this kind of information to your superiors? No, to my recollection. D'après mes souvenirs, non. The practice is that after complete interrogation, that individual would be une sent fois out. L'interrogatoire achevé, l'intéressé était envoyé à l'extérieur. Some prisoners were questioned or interrogated. Certains prisonniers. Some information was asked by Brother Nguyen or Brother Paul about certain prisoners whether or not de they had d'information been sent out. De Paul ou Nguyen qui demandait si le prisonnier avait été envoyé à l'extérieur. They sometimes asked me about whether or not some prisoners had been si sent out. Ou tel prisonnier avait été envoyé à l'extérieur. I would like to bring a real example. Et j'aimerais ici citer un cas concret. One day, Brother Son Sen made un jour, a telephone call to le me. Frère Son Sen m'a appelé par téléphone. Et il m'a dit, why Duch. I have when received the confession pourquoi of one penny, and I told him that I did not receive a one penny. Que je n'avais pas réceptionné 20 penny. One or two days later, he tard, phoned me again and asked appelé. Me about et il m'a interrogé Pini. Au sujet de Pini. I told him that, et je lui ai dit ce qui suit. Give me time to donne-moi du check temps. Whether je vais vérifier he was in. S'il est venu. So I asked my interrogators donc, j'ai to interrogé mes interrogateurs. Check and find je leur ai demandé out d'aller vérifier whether he si was sent into avait été any security amené center in dans un also centre other de sécurité, security centers, y compris d'autres and centres I asked de sécurité interrogators whether et Van Pini j'ai demandé aux interrogateurs changed the si name. Van Pini avait changé de nom. And at the time, I was told that Van Pini's names were changed que le nom to de Van Pini Tut, and the wife's name was Tut, tandis que Chan. Sa femme s'appelait Chan. And I sent information to my superior. J'en ai informé later on, mon supérieur. Van Pini was sent par in. La suite, Van Pini a été amené sur place. And because of the incident, Peng suite was blamed by Paul that Paul he a accusé Peng was not good in working approaches compared to Duch. De mal travailler par rapport à Duch. So usually, donc the superiors général, did not receive the report on prisoners ne from me. Pas de ma part un rapport sur chaque prisonnier. Vous-même, est-ce que vous étiez intéressé de savoir
le nombre de prisonniers qui étaient présents à S21. Vous nous avez dit qu'à un certain moment, il fallait faire de la place, parce que vous saviez qu'il allait y avoir des purges importantes. Est-ce que vous suiviez de façon quotidienne ou de façon régulière les effectifs de S21? Keep track of staffing numbers at S21 on a regular basis or on and off? Réponse. In principle, as well as in terms of implementation, both went hand in hand. Et dans la, so le principe et la mise en œuvre allaient de pair. Lorsque les prisonniers arrivaient, ils étaient accompagnés d'une liste de noms. It was the superior who spoke to me about that people from the time were sent attached with the list. Le supérieur and qui m'a informé et que les prisonniers de l'extérieur venaient accompagnés de listes. Et ceci est devenu une pratique commune, j'en ai informé Hor. Lynn est venue au bureau et par la suite on m'a amené la liste de prisonniers entrants. Voilà comment la procédure se déroulait en ce qui concerne la liste. Of course, sometimes it caught my interest as to which days important prisoners would be interrogated, and usually bien sûr, it was who was in charge of that affair. À la date à laquelle les prisonniers importants seraient interrogés, et c'est Hor qui s'en chargeait. Un jour, j'ai dû regarder le nombre total des prisonniers restants. And there were more than 10,000 of them. Il y en avait plus de 10 000. Let's say 10,000. Mettons 10 000. And that is why the office of the co-prosecutors made it a combined list of prisoners. C'est la raison pour laquelle le bureau de co-procureur a établi une liste combinée des prisonniers. Et and the practice was based on the instructions from the upper echelon that when there were many prisoners, instructions were to supérieur qui décidait. Clear them out. Lorsqu'il y avait beaucoup de prisonniers, il fallait and I kept certain the prisoners in case that the upper echelon required me to interrogate au cas où l'échelon supérieur me demandait. On me demanderait de les interroger. C'est ce que j'ai observé à l'époque. Quand vous citez le nombre de 10 000 prisonniers restants, c'est un nombre que vous prenez au hasard ou c'est un nombre que vous avez réellement vu? Est-ce que vous avez vu qu'à un moment, il y avait 10 000 prisonniers à S21? A haphazard number, or you did actually see that number, 10,000 prisoners. I kept the documents of prisoners and could make a total at any time. Les documents relatifs aux prisonniers, je pouvais faire les totaux à tout moment. Ce jour-là, of the number of the prisoners based on the available documents. At that time, I did not have my staff to do it, but I did it by myself. À mon personnel de le faire, je me suis acquitté moi-même de cette tâche. Et donc, c'est en faisant le total à partir des documents que vous aviez en votre possession que vous êtes arrivé à ce chiffre de 10 000. Est-ce que c'est bien cela qu'on doit comprendre? It was a little bit over 10,000. Réponse, il s'était un peu plus de 10 000. Bien. Vous nous avez parlé des photos des personnes exécutées. You have talked of photographs. Est-ce que vous pouvez nous dire la fréquence à laquelle vous envoyez ces photos? Can Est-ce que c'était quelque chose qui était envoyé de façon régulière? Est-ce que c'était simplement à la demande des autorités supérieures, ou est-ce que c'est vous-même qui décidiez d'envoyer ces photos? Or you yourself took the initiative to send those photographs? Mm-hmm.
Allow me to clarify the matter. Permettez-moi de préciser ce point. Regarding my feeling at the time. The en ce qui concerne mon sentiment à l'époque, initially taken was la photographie of était initialement prise, notamment celle de Lipa et Alice Payne. La dernière série de photos Hawk. Était celle de Nat, Vaughn et Hawk. And in between the first and the last, entre I la could not know who else were photographed. Je ne sais pas there might be the photos of the Westerners. Peut-être s'agissait-il des étrangers, the photos des occidentaux. Of those who were killed, or those who had just been killed, were photographed by some of the orders of Brother Noon. La photo des personnes qui venaient d'être exécutées était prise sur la base de l'ordre du frère Noon. Brother Noon je ne le faisais pas de manière arbitraire. C'est le frère Noon qui me demandait de prendre des photos. And allow me to say about my feeling at the time that the echelon demanded the photos. If they don't trust me, how could they use me to carry out my work? If I am ordered to kill them, then I kill them. That's how I felt at the time. S'ils m'ordonnaient de les tuer, alors je le faisais. And in principle, I knew that Brother Paul never trusted anyone. C'est ainsi que je me sentais à l'époque, et je savais que le frère Paul ne faisait confiance à personne. Vous nous avez dit que vous avez transmis les photos des prisonniers étrangers. Est-ce que vous avez pris, c'était des photos des prisonniers étrangers une fois qu'ils avaient été exécutés, ou est-ce que c'était des photos des prisonniers étrangers quand ils sont arrivés? Parce que ce que j'ai compris, c'est que ces prisonniers étrangers avaient été ultérieurement, leur corps avait été brûlé. Donc, de quelles photos parlez-vous? Burnt up. So which photographs are you referring to? Regarding the photographs of Westerners, actually I kept a set at my house. The photographs, taken of them when their ankles were shackled. Les photographies ont été prises alors qu'ils avaient les chevilles entravées. Burnt, of course, they were not burnt alive. Ils n'ont pas été